Bonjour à tous, je tenais à dire merci avant tout, merci. Merci à la petite ortie pour son soutien. Elle a partagé sur YouTube la vidéo où du coup je vous présentais la catastrophe qu'on a pu vivre ici au potager sur Objectif Autonomie. Je suis que très reconnaissant de son geste parce que du coup il y a une vague d'abonnés. D'ailleurs je vous remercie, je vous dis bienvenue sur cette chaîne. Ça me touche vraiment énormément, ça nous touche énormément, ma compagne et moi. Merci d'avoir rejoint cette chaîne. Encore une fois, merci beaucoup à toi, la petite ortie. Je peux être que reconnaissant de ce geste. Sincèrement, merci. Redire une chose, les galères font partie aussi de la vie en autonomie. Alors on est tous un peu frappés par des galères. Moi c'était une inondation, d'autres ça peut être, je sais pas, les maladies en tout genre, des ravageurs, etc. Voilà, ça fait partie de l'autonomie. À nous de rebondir et d'aller encore plus fort vers l'autonomie. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir les récoltes. On va récolter des haricots violets de la variété Blowhild. C'est une variété de haricots violets grimpants. Je les avais fait monter sur un tipi. Donc voilà, c'est une belle variété, ça apporte un peu de couleur au potager, donc je vous la recommande si des fois vous voulez la tester. Il faut savoir une petite chose, c'est qu'une fois cuit, ces haricots violets deviendront vert foncé. D'ailleurs, j'en garderai un petit peu pour faire des graines, puisque c'est une variété que j'ai vraiment sauvegardée. Je l'ai mis à plus de 15-20 mètres de mes hôtes voisins, puisque il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien que je vous explique, c'est que, en fait, on est sur une parcelle qui fait 7000 m² en total, ce qui est divisé en petites parcelles de 1000 700 en moyenne, 700 mètres carrés, certains ont double parcelle. Donc voilà, donc à côté j'ai des voisins qui aussi cultivent. Du coup à côté de moi je fais pas ce que je veux, j'ai d'autres aussi de jardin. Donc il faut vraiment toujours que je prenne en compte ce paramètre là quand je plante quelque chose dont je veux récolter les graines pour éviter un maximum l'hybridation. Le fait d'être avec des gens autour de soi, ça permet aussi un espèce de cercle d'entraide. La communauté reste vraiment importante en autonomie. Donc je remercie ma voisine qui m'a gentiment proposé du coup plein de choses, plein de petits légumes pour nous sustenter cet été en vue des pertes qu'on a dû assumer. Du coup, je vais récolter des tomates, du blé et puis du lin. Pour le blé, je me suis un peu inspiré d'une chaîne qui parle de comment récolter son blé à la main. Très bonne vidéo d'ailleurs, je vous mettrai le lien par-ci, je pense que c'est par là. Je vais récolter les oignons. Donc j'avais deux variétés d'oignons, donc des oignons blancs et des oignons rouges. Voilà, c'est parti. Alors une des questions que je me posais, c'est est-ce que pour des haricots, on peut parler de variété remontante, non remontante? En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que cette variété-là, elle ne donne pas tout d'un coup. C'est une variété qui va vous donner des récoltes étalées. Quand on a tout d'un coup, ça nous permet de faire des beaucoup plus rapidement. Et pour le reste, pour la consommation journalière, eh bien, il vaut mieux avoir des récoltes étalées. Enfin, vous voyez, là, c'est une gousse que je vais laisser monter à graines. J'en ai besoin, donc il y a plusieurs porte-graines comme ça que je vais laisser dessus. Et puis le reste, je vais le consommer. Bah voilà, c'est top, quoi. C'est une petite récolte. Et nous, on est content d'avoir rien que ça déjà. C'est déjà top, quoi. Du coup, voilà ce que ça donne, une petite récolte. C'est bien sympa. Donc les grosses gousses là, qui sont déjà bien formées, me serviront de porte-graines. Donc en gros, je prends mon sécateur, je coupe le plus bas possible pour avoir un maximum de paille. Et voilà, je récolte mes épis et que je viens poser ici. Donc ça, c'est un échassier en bois que j'avais fait il y a maintenant 2 ans. Bon, du coup, la méthode est simple. On prend des petits épis et on vient frapper les épis sur le petit bidon. Alors, ça en fout partout. C'est pas vraiment la méthode la meilleure à mon sens, et il va falloir qu'on améliore ça, mais on va essayer, je vais vous montrer. Faut faire gaffe parce que vraiment ça en envoie partout. Donc ça c'est une des méthodes. Après la méthode c'est de couper toutes les têtes de blé.
et de couper toutes les têtes de blé. Et à ce moment-là, de venir les frotter, en fait, tout simplement, comme ça. Voilà. Et hop, voilà. Donc là, ça, c'est la tête, une fois frottée. Il n'y a plus d'épis, il n'y a plus de grains de blé. Et bah voilà, comme ça, on récupère le grain. Donc tout ça, là, il va falloir vanner ça ensuite pour que toutes les petites cosses de blé s'en aillent et qu'on puisse garder que la graine. Allez, c'est parti, on va récolter les oignons. Donc là, je les mets directement dans mon panier. Voyez. Bon, là, ce que vous entendez, c'est l'orage. Ça, c'est une bonne variété, hein, c'est la Snow White. Bon, bah, vous avez vu, je vais couper pour les oignons blancs, je vous reprends après pour les oignons rouges. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va s'attaquer aux oignons rouges. Donc, on va faire la même chose. Donc, ils sont déjà bien secs, donc je vais les poser tous ici. Hop, voilà. Donc, je les avais laissés exprès. Hop, on a des jolis oignons rouges. Donc, ils avaient été plantés cet hiver. Et voilà, on a une belle récolte. Voilà, donc là, il y en a un moisi. Donc, le moisi, bah hop, je le prends et hop, ça va là, dans le compost au milieu de la serre. Bon, ce qui est vraiment magique, c'est qu'on se retrouve avec des oignons comme ça et énormes. Et j'en ai pas qu'un, hein. J'en ai vraiment plusieurs. Voilà, c'est magnifique, je suis vraiment heureux. Quand je parle d'hybridation au sein de mes tomates et que j'explique qu'il faut au minima à peu près 5 mètres pour pas qu'il y ait d'hybridation, j'entends bien évidemment que normalement là il y a les étamines femelles qui sont censées sortir. Donc là, tel que c'est là, tout va se polliniser à l'intérieur de manière naturelle par le vent, etc. Donc le vent va faire bouger à l'intérieur, ça va se mélanger. Cette variété là par exemple est une variété ancienne. Du coup, on n'a pas d'étamine qui ressort ici. Ce qui veut dire que le risque de pollinisation ou d'hybridation est quasi nul. En revanche, quand les étamines sont sorties, il peut avoir une hybridation avec un autre spécimen qui se situerait proche. Comme par exemple, c'est le cas ici dans ma serre. Voilà, typiquement sur ce spécimen-là, on le voit mieux. Donc là, ici, là, vous voyez, cette partie-là, ça ressort. Donc il me semble que quand la variété est plus récente, du coup, les étamines ressortent. Et de ce fait, on a plus de risques d'avoir une hybridation croisée, donc que votre variété ne soit plus pure, entre guillemets. Voilà, on est dans la savane à tomates. Voilà. Le truc le plus chouette, c'est que ça vous fait des petites fleurs sur le dessus. Il va pas y avoir beaucoup de fruits dans le panier.